الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما اما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القران الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما وقال ربك رب العزه عما يصفون والسلام علينا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والمسلم يوم سوء سوء ما هو في الدنيا إسلام non prendre rien de tout. La mafia est un cadre. Au Alaye, Sani et Katoa et Abba Kamasaya. A Kamasaya Kumbe, Katoa Mata Sonda. Anana Kamuke, Kata Sonda. Les Minkan Kamkuna, fils. D'après nous, nous l'avons dit. Allez, on a un gros canon. Quoi, 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 ko ale ala minya dare ale na tan mai to anaka e dinan yamo kuwe obiye ke oche no e da no bila ne ga ya mai o e to ne muhammadu ibn abdalla isini ne ma ba aka ga mun ko mu fi ka fo ya ne sai saban tige ka koyi a bɛna to sanji waati kɛmɛ naani bi naani an bɛ bi naani koyi a bɛna to waati ni kɛmɛ naani an bɛ kɛmɛ naani koyi n'an y'o koyi waati ni an b'a ta sanfɛ ka jigin n'an sera kile ma an bɛna sɔrɔ bi ko cɛ bi ɲɔgɔn ma da ko a tagamana ka sɛbɛnni kelen kɛ ka se Madina bi sɔgɔma in na. A bangena Maka, cidenya kumasera ka dama Maka. A fate suwe banka, a bamuso suwe Maka. A esaji binane ke tata Maka cidenya. Ala tumba adomo kapo cidenya. Ala nana cidenya dama. A koya ama, a kibi yerefo. Konye dina dima, dina ikefo mawe. Ko Maka kaw bɛ ka jɔ minnu bato ko ne ka dafɛ de do fan b'a kɔnɔ i bɛ jɔ bato ko jo ka fɛ di ma ko ale tɔgɔ ko ko ya samaru ya samaru ale de bɛ fɛ di bɛɛ ma dafɛ bɛɛ lajɛlen ale de bɛ fɛ di ma ko ni bɛ fɛ di ni i ka da ni ale de fɛ ko bɛ ka jiri ni fɛn kirikara minnu bato ko ale ka dafɛnw do k'olu tɛ ala ye ko ale de ye ala ye k'i bɛ ko fɔ a ma bɛn Maka tɔw ma a yɛrɛ ka mɔgɔ don dɛ a ka kabila mɔgɔ kabilaba fana de do i ko he ko a ma ni Muhamadu tɔgɔ in ye ko tiɲɛ de do matilɛnen de do tiɲɛ de do laadiri de do ko ka sababu bɛ mun ye ko anw bɛ y'a tɔgɔ da ko Muhamadu ko a ka latigiya kosɔn a n'a ka tilenya kosɔn ko a nana jamu sɔrɔ n'o ye Lamini ye ko a tɔgɔ ko Muhamadu Lamini
comme un ciel, on a mal à notre papa et à Gargana. Papa, la maman, mon corps, comme mon humour au canyon. Quand il est nuit, car pour Satan, à la nana, pour la cité, à la carte, le vaso, à la maman, il est beau, il est habité. Ah, après les dames, après avoir donné une mécanique. Quand vous citez le boulot à mécanique, mais n'est-ce pas donné, gâteau, il va nous en faire un peu. Avec ma chambre, mon donna, avocat, il est beau. On y vient de France. Il vient de première fois. Quand il fait les deux. Allez, retourner, nous sommes en arrière. Au Tarada, à Tarada. Allez, vous m'avez dit ça, vous avez 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 dit ça, comme à la part à l'heure, à Yuanouke, il va vous marquer à vous, c'est la fin du monde. Il en a fallu sur, Kassosro, Kanyanosro, à mon assiette, vous, n'a pas de l'huile, mon oeil de vie. Il y a un moment. Oui, sur rien à maca. Il sur rien à maca. Oya, sur rien à maca. Il y a un mec à fond, qui est là-bas, mais qu'on fera. Ko Muhammadu ibn Abdallah ko delo ba ko so baram le fer ko jaja ale de ci le labaye ko bisra makan ko ye makan siro bade parce que makan punya duwe de ko makan astaghfirullah madina punya duwe dina mo be ya udio be kretion be dina ko be madina. Uluma baka kumbere ko selama dulu. Ayi. Ya udah lu tema kristian tema pas ke alam kuma dua tahu. Jogma tak tahu. Are kamu mau minu ya selama ana abang so kamu. Uyen tantau sri ka bon fa ka tobulu ke. Tu jele ulu fana ya jamu uyi nu so kata kumbe pas ke uwa dulu. Ana la doma ka biso. Togulu kera, togulu kera, mau miso jara, mau yere donke, mu kara muso yulu fo kosobe, kapo jaja cide mi ko fara ko jaja amte dulu, bang munda do kare do, ko abangena bire kapo ante dulu, madai kumamu, aesanji minarke, aedirisnyake, maafu ntaru kerabu. Tina tigrama maka, mau kumasirakan tubi. Kurana utigrama maka, kurana haya utigrama maka. Meka son utiye sallallahu alaihi wa sallam, kafo tine lulu, kerente togoro te, kawirka kumbe kome kuruwa, akera kubito ina. Okoso ya, nisu kura, ange karange, doge karange, ave fotone. Binu me kalan ke
uluko koni chei bagina me kada tamir bagare la nite kore nite kore fe kada mir bagare la adona do mina ta boni de sile dire o do mina na bagina uluko binum ba no fe uluko anga mo uluke sitadir anga anniversaire ke kafo bila sera madina anga kurana ukana anga jidulufo anga dumunuke paske mo upatu anokaka ulile karomtike wa aima karomtike membinu ufana kwa kanake kwa tepe kwa paske amake kwa te kurana kono kafo akake efektivma ate kurana kono kafo maululu kake ate kira ka hadisi si kono kafo kira ko kafa mbuluke ate yoro si kafo kira fana ima mbuluke ulu ko ko kira li kafo ni kuma ni kolima ko kira ka mkoso amanga ke ulu fana ima lote wa hello ima lote ayi ulu fana tae kanunge ulu kola kira ka mkoso amanga ni ke pase kira ka ponima minu mba ke kira kanu koso ulu falako mahulu kanga ke o kira kanu lezo befembe ma fila ya kanu beya kanika kanu chukola john be john fo john be fem fo john ma nite kere kira ya chine ta sikuro ngaro ta sikuro kore kuja sikuro ni koko mahulu e bila e haramu lezo itina sebele so yosi kafo ala ko haramu do ko kira ko haramu do ibe na mi foni ko kira ma ke ko ala ma fa ka ke ali dia ko mutre le nyana e fa na be fe cha ma ke kira ma ala do ko be ai ha ibe fe cha ma ke kira fa ko kira fa na fe cha ma fo ka ki ka ke imoke ala fana fe jama foka kwanga ke amake otuma na neta ebi anka nyoka anka rombi bi silama bila jile kaka nisuja jia kako bi kaka deklare de kako silama uka ele pana atarabi kakwata jomaka ukata ilaba lekera misiri je kanaka kujo misiri kera jile ada na na bitte do la pro de ai denya o be ko do mo denya ni se bie i ka ta tu li ke i te wa ya ka tu ni se bie ka ta tu li ke i je te u ka tu aka kurana privilege ka anka sali kra ka ko so re ni pito ko mo ala para kurana kumara kurana ko no ako au silamo aw minnu sɔnna diinɛ nin ma ko n'a ye ɲɔgɔn fara a ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ ka sigi ka ne wele ko ne bɛ aw dɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ i ma gulɔ kɛ wa i gulɔ kɛra donc minnu bɛ mawuludu kɛ su in na kira kanu yɛrɛ kosɔn ala ka i ka baraji sara kɛ a bɛ na so da so. Minu fono ko mauludu de be ko pira de no ko kira ma ke kira kam ko so ala ko lu bele de le fana sara ke na de na so ka so ni be fa ke na ke kam ko so de ni ke kam ko so de ni ke o be ni ma ni islamo to fla de ko ana ko islamo de ni islamate to fla de islamo no ko ana ko islamate ni a be silama ale de nana dama a kuntigi a y'a fɔ an ye a ko ala ko n'an b'a fɛ k'ale ala ye an b'ale bato a bɛ ala bato cogo di la donc n b'a ɲini alahu taala fɛ ala ka hamina ko nɔgɔya n b'a ɲini alahu taala fɛ ala ka kisi ni fana kɛ n b'a ɲini alahu taala fɛ hali n'o ka min b'an kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ ala fɛ k'a daminɛ ne yɛrɛ la fɛn dɔ bɛ yen a b'i fari ka sɔgɔ mɛ tilaba t'a la ni ala tɛ dɛ
ayi ale de ko kurana kɔnɔ ale fa t'a bolo ba t'a bolo a ma den kɛ mɔgɔ den t'ale ye a ko ale fana de bɛ fɛn di aw ma a ko ale y'ale alahu taala fɛ parce que hadamaden ka faamuyali tɛ se ka ala fɔ fa t'i bolo ba t'i bolo fɛn fana b'i ta fɛn fana ma bɔ i la an ko ne ka dɔnniya banna dɛ parce que an ka dɔnniya ta ye diɲɛ ni lahara de ye o fana jɔyɔrɔ tɛ ala ka kɔɲɔ kɔnɔ o bɛ komi n'i ye miseli ta ka taa turu mɔgɔji in na a bɛ fitinin min ta dɛ diɲɛ ni lahara o sara hadamadenw de kosɔn ani jinɛw an ka n'a miiri ko de ye ala ka dafɛ bɛ yɛrɛ o ka dɔgɔ ala ka kɔɲɔ kɔnɔ a ye ala belebeleba ye an b'a ɲini ala 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 fɛ bɛɛ bɛ don minnu kɔnɔ a ka fɛnw sabati. Gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na a ka gɛlɛya wuli kɔnɔya bɛ yɔrɔ minnu na a ka yɛlɛma k'a kɛ kanu ye ɔ kɔnɔ aw nana la asikafurula ani wala kun walasa a yɛrɛ nana misiri nana ni ko de n'a bɛ wasikafuru fili na ko ko wala ka fɔ wa. Ale se bɛ kɛ diɲɛ bi ko k'i dɛ se bɛ k'i la ɛgɛr yatɛ ke ni unité bɛ ni bɛ adoré en dehors de Dieu unique. Et sans associer. J'atteste que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Puis Dieu a accordé à sa famille, à ses compagnons, ainsi que tous ceux qui seront conformés à leur foi. Salut et bénédiction de Dieu sur nous. Mes chers parents, c'est l'islam. Le cerveau d'aujourd'hui va tourner autour d'un verset coranique où Dieu lui-même en tant que créateur, parmi ses créatures, il y a un être humain qui a donné le nom Muhammad ibn Abdallah. Muhammad veut dire c'est l'homme de vérité. Il dit ce monsieur, lui-même Dieu, avec ses gens, pris sous lui. Nous les voyants, oui, nous les voyants, nous sommes obligés de prier sous lui et de le saluer. Parce que la porte des paradis pour nous, ça passe par là. Nous devons comprendre comment Dieu le Créateur, en tant que Créateur, il a choisi parmi les créatures que lui-même. C'est le verset coranique. Il n'y a pas de doute dessus. Ça, dans le surat 33, verset 56. Chacun de nous fait payer et vérifier. Dieu dit dans ce verset-là, cet Allah et ses gens prient sur le prophète Muhammad. Ô vous les croyants, adressez-lui vos salutations et priez sur lui. Surat 33, verset 56. Mais nous les croyants, quel profit nous devons tirer dans ces versets? Nous devons comprendre comment. Chacun demande à bon Dieu de le bénir. Mais Dieu lui-même dit, il a béni ses versets. Il nous oblige de bénir. Nous devons penser que la clarté islamique, le hijra, ça fait 1443 ans cette année. Si nous enlevions le 3 ans, on allait vers 40, on allait vers 400, on commence à descendre. Le 1000, on devient le premier jour, nous allons trouver aujourd'hui cet homme béni à marcher à pied de la mer à Médine. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, j'étais choisi comme le prophète. Je te révélerai des versets coraniques. Va presser, va dire qui tu es, va dire à tes parents que l'idolâtrie qu'ils ont là, les fétiches qu'ils sont en train d'adorer, que ce sont des créatures, que je suis le seul que l'être humain peut demander ce qu'il veut. Ça se trouve dans le Coran, Allah, Ya Samad, Ya Samad, Ya Samad. Il est le seul
qui fait le livre. Il faut le dire. Mais ces quatre le fétiche, c'était des hommes, à l'époque, des hommes pris de foi. Comme on peut dire, c'est-à-dire qu'ils croyaient à leur fétiche, c'était des hommes bien posés à la main. Ils ont dit, ce message, nous savons que c'est un homme qui a confiance. Nous le savons. Nous savons que c'est un homme respectable. Mais là, il est en train de venir. Là. Si on ne prend pas garde, il va venir saboter nos dieux qui sont là. Qu'est-ce qu'ils ont complété? Ils veulent atteindre sa vie. Dieu lui a révélé, il dit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il faut sortir de la Mecque, il faut partir à Médine. Et oh mon Dieu, c'est ici, mes parents sont entrés ici. C'est ici que je suis né. C'est la vue que j'ai a plus que tout. Mais moi, en tant que créature, lorsque tu me donnes, je vais exécuter. Ces jours-là, le prophète est sorti sans avoir la savante par une porte. Il était accompagné de qui? C'est bien à pouvoir. Oui, aujourd'hui, on se permet de marquer ce grand homme dans nos presses. Chacun dit ce qu'il veut de lui. Même lui, là, il dit, prophète, là, comme nos parents, ils vont te tuer. Moi, ils vont me tuer avant de te gâter. Je donne ma vie avant de prendre le camp. Mais vous savez, celui qui s'est couché à sa place sous son lit, c'est son frère et c'est son cousin. C'est son petit frère. Le prophète peut être son père même. Ils n'ont pas même mal. C'est pour cela, je vous ai dit, nous devons tout faire pour que nos enfants là soient nos amis, pour que nos enfants soient nos premiers complices. Mais vous avez des enfants que vous ne leur permettez pas de s'approcher de vous. Vous avez des enfants, vous ne les piquez pas. Vous les enfants, vous avez les enfants, vous ne montrez pas l'amour. Ils vont avoir peur de vous, ils ne vont jamais bénéficier de ce que vous pensez. Vous voyez l'exemple. Le petit frère, on va appeler le fils du prophète, il dit allez, il dit moi, je m'avais bien poussé sous ton lit. Je mets ton drap dans son nom. Quand ils vont venir m'attaquer, avant de me fuir la nom, ça m'a trouvé quelque chose. Vous voyez, nous avons ramassé l'islam dans la rue, et on dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Là, nous sommes dans une mosquée climatique. Si on dit à la mort ici, en commençant par moi-même, je vais sortir par la fenêtre. Je ne vais pas penser à Dieu ici. C'était des gens de foi. Ils croyaient ce qu'ils disaient. Ils croyaient déjà cette foi-là. Ils savaient que Dieu le seul, quand il prend ta garde là, nul ne peut t'avoir, nul ne peut. Mais quand il te laisse, tout est arrivé. Et ils croyaient à ça. Mais nous, c'est des gros Français et gros Arabes. On n'a pas ça dans la foi. Vous voyez? Et nous allons trouver que ce monsieur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il est arrivé à Médine, la ville de Saint-Marc, en compagnie de l'avocat. Ils sont sortis. Chaque ville, ils ont traversé, il y a eu le commerce. Ils étaient assis au départ. Ils ont eu des lames. Ils ont eu des chameaux, ils ont eu des chevaux, arrivés à Madrid, c'était une foule. Les gens de Madrid, qu'est-ce qu'ils ont dit? Or, donc, les prophètes qui étaient dit par David, là, et Issa, que ce dernier prophète s'appelait Muhammad. Or, donc, c'est notre fils là. Aujourd'hui, on sait que Muhammad est le dernier prophète, ça va. Ils ont balayé la vue de Madine, ils ont préparé, ils ont fait sa tente. C'est sa tente-là qui est devenue sa mosquée. Et là, ils ont fait sa maison. Ils ont mangé aujourd'hui. Il y avait les femmes qui ont dansé. Il y en a qui ont dit Bouloulou à sa présence. Mais nous devons nous poser la question, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne les a pas dit pourquoi vous m'avez accueilli comme de moi. Au contraire, il était ému jusqu'à il a trouvé ses jours. Parce qu'il a pensé,
Moi, je devais être comme ça dans la vie de mon père, où ils ont enterré ma maman, où mon père est enterré. Mais elle, ils m'ont rejeté. Mais c'est ma mère qui m'a nommé comme un roi. Alors, le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a une partie de musulmans qui disent on doit faire le maoud, on doit prier la nuit, on doit faire des bénédictions, on doit manger. Il y en a qui dansent parce qu'ils se disent que c'est l'amour du prophète, ils servent le prophète, c'est pour cela qu'ils font ainsi. Mais il y a une partie des musulmans qui disent non, c'est bidélat, c'est dit nulle part, c'est écrit nulle part. Effectivement, c'est écrit nulle part. Le prophète a dit nulle part dans le Coran, vous ne trouverez pas nulle part que Dieu a parlé de Mahoud. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? L'islam était dans le casse-tête. L'islam était, je ne sais pas comment il faut dire, percuté. On ne pouvait pas prier publiquement, on ne pouvait même pas presser publiquement. Mais aujourd'hui, notre prophète, le plus aimé du monde, arrivé à Médine en compagnie de musulmans, il était accueilli en plus par les juifs et par le chrétien. C'est elle qui était dignitaire de croyance à Médine. Parce qu'il savait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas quelqu'un qui adorait les fétiches. Il parlait le même Dieu que lui, que fait plutôt. Maintenant, on est deux groupes. Moi, je dis ni l'un ni l'autre a tort, ni l'un ni l'autre a raison. Parce qu'on parle de l'amour ici. Mon petit frère ou mon jumeau dit, je ne peux pas faire comme ça avec mon père, parce que mon père est trop grand pour ça. Je l'aime beaucoup, mon père. Moi, je dis non. Mon père, là, je vais faire comme ça parce que je l'aime beaucoup. Je fais bénédiction pour adorer mon père. Qui a tort ou qui a raison? Parce que le Dieu parle de l'amour. Chacun a sa manière de bénir son prophète. Où est le problème? Je ne vois pas le problème. Donc, je ne peux que prier le bon Dieu. Ceux qui vont célébrer Maoud aujourd'hui, j'ai prié Dieu que leur paix soit gardée en Afrique aussi. Ceux qui disent non, nous ne devons pas célébrer parce que nous aimons le prophète. Il est trop grand pour ça. J'ai prié Dieu aussi leur paix soit à dernier sauvetage. Les problèmes aujourd'hui, comment nous allons faire pour nous entendre? Comment nous allons faire pour nous entraîner? Comment nous allons faire pour respecter nos semblances? Nous, les musulmans, nous n'avons pas le droit, je dis bien, nous n'avons pas le droit de haïr même nos ennemis. Ce qu'on appelle ennemi déclaré, un musulman n'a pas le droit de haïr son ennemi. Non. Non. Parce que le plus aimé du monde, il savait qui était son ennemi. Il m'a jamais vu. Il n'a jamais montré. Il savait. Il ne les a jamais attaqués. Au contraire, il bénissait pour eux. Il a été agressé, il a béni ses agresseurs. Nous devons oublier cela. Donc c'est pour vous dire que ici, Inch'Allah, demain matin plutôt, Inch'Allah, ceux qui ont le temps, s'ils ont le temps pour venir, nous allons faire l'été pour aller ici. C'est Dieu qui l'a dit. Oh, vous les croyants, partout vous serez ensemble pour invoquer mon nom, je suis avec vous. C'est Dieu qui l'a dit. Donc, d'abord, un, on va se retrouver dans sa maison. Deux, c'est ces paroles qu'on va parler ici. Après ces paroles, nous allons faire bénédiction pour nous, pour les pays et même pour nos ennemis. Et s'il y a un petit frère, nous allons manger ensemble pour serrer l'amour entre nous. Après tous ces éléments, j'ai ma fille, votre fille, votre sœur aussi, qu'on va placer le mariage demain matin, si Dieu le veut. Inch'Allah, le temps est presque passé. Je vais m'arrêter ici. J'ai pris le bon Dieu. Chacun de nous ici a un souci. Chacun de nous a un problème. Parmi nous, il y en a qui ont tout fait
il gagne pas la main de pourquoi. Il y en a parmi nous. Parmi nous, il y en a qui marchent des kilomètres partout pour aller chercher le travail, ils n'ont pas eu de travail. Parmi nous, il y en a qui ont problème de foyer. Dieu le sait, il fait le Christ. Dieu le sait. Je vous conseille de vous lever la nuit, au milieu de la nuit, et vous que Dieu, priez pour Dieu, expliquez vos problèmes. Il vous entend, il va venir vos secours. Je vous conseille, je répète, il y a une phrase qui parle de Dieu. Qulhu Allahu Ahad, Allahu Samad. L'âme yérit ou l'âme yérit ou l'âme ou l'âme yérit ou l'âme au pouvoir. Celui qui peut prier ainsi, c'est pour que Dieu, il verra que Dieu existe. Et vous n'avez pas, j'ai dit de frapper la porte pour qu'on ouvre. Vous ne frappez pas vos portes. Vous ne frappez pas la porte de Seigneur. Qui a quelque chose, c'est lui le Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit Ya Samad. C'est lui qui donne à ses créatures. Pourquoi on ne le voit pas? Au lieu d'aller supplier quelqu'un qui va parler de mal, levez-vous la nuit, priez Dieu, expliquez vos problèmes. Il en face de vous, il a même expliqué vos problèmes. Pleurez devant lui. Pleurez devant lui, pleurez devant lui. Il va venir à vos secours. Le temps qu'on ne fait pas ça, Satan va nous insulter. Parce qu'on a deux points. Il y a la voix droite, il y a la voix gauche. Gauche c'est Satan, droite c'est Allah. Allah dit de nous demander. Quel que soit ce que vous avez fait, il nous dit de demander pardon. Il est prêt à pardonner. Vous voyez comment il est vivant? Il ne veut pas qu'on souffre. Il ne veut pas qu'on ait des problèmes. Mais nous-mêmes, on cherche des problèmes. Voilà le problème. Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin. Ila salat. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oh.
الله أكبر الله أكبر الله